Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, parlez Haïti. Eh bien, si on a le plaisir, notre occasion, moi, tourner sur la plateforme non, avec une autre nouvelle en détail. Salut tous les amis net qui branchent, qui attendent, qui regardent Chanel, parlez Haïti. Salutations à nous spéciales qui vont nous bénir. Merci en pile information. Et la police fait une opération jeudi à là. Ils ont arrêté quatre bandits. Dans quatre bandits, ils ont arrêté à madame, messieurs. Ils ont tout aidé, bandits. Il y a quatre qui en bas code. Eh bien, opération ça, l'y fait jeudi à là, madame, messieurs, dans la commune et Tibiron. Eh bien, dans Tibiron, dans la troisième section, commune Tibiron, que opération ça a été faite jeudi à là. Eh bien, côté la police arrivée, fait bruit de l'obus chez deux bandits. Eh bien, il y a quatre qui en bas code. Nous parlons de quatre bandits, la police mettait en bas code. Ces quatre bandits, ça, on a regardé sur l'écran là, en bas code. Eh bien, opération ça, c'est une opération, madame, messieurs, que la police est obligée à le faire. Après, en pile dénonce, côté population, t'es dénoncé, Zach, criminel, ça a fait dans le pays là, spécialement dans la commune Tibiron. Eh bien, la police est obligée de faire un coup de patte là, est obligée de voir deux bandits aller dans le pays sans chapeau. Eh bien, ils prennent trois et quatre ça, eh bien, ils mettent en bas code. Et on allait. Jodi a la, yo lave, yo rense, e, yo lave, yo rense ki koman, misye lanko. Wokfele Vincent, Wokfele Vincent jodi a la, yo deplime Wokfele Vincent apon deklarasyon fin fe. Wokfele Vincent ki se minis justice la, ebyen, moun yo la, madame Bessie, si yo te jwen minis justice la, yo ta met la pat sou liwi. Pour jamais attendre réaction moun sa fait là et après ministre justice là lui-même il était fait un poste dans réseau social li, et dans réseau social là il fait un poste côté le fait qu'on est et ça fait le triste avec le massacre qui fait là il va le porter il va le bailler tout le monde justice menti menti on fait lever ça va faire rien dans pays là on fait lever ça va faire rien n'est pas comme ça n'est pas bailler parole pour capable gérer portion n'est pas faire vrai. Eh bien, c'est peut-être ça, moun yo kase maintenant mais Wokfele Vincent, ou pas qu'un ministre de justice dans le pays, nous quitte Zak sa wap fait, et bagay sa toujours répété dans le pays, a massacre sa toujours répété, parce que, nèg yo continue à faire des ordres, nèg kap entre les armes dans le pays, a cartouches, munitions, yo pas jamais voulu faire nèg yo, même nèg sa qui utilise un système kap fait kob, eh bien, qui, bagay la triste dans le pays, bagay la triste, de toute façon, comme quoi fait le Vincent dit, il parle de toute famille sa justice. N'a pas tant de mais moi-même, je garantis que ça n'a pas de pièce qui va le faire. Oui, parce que, monsieur, ça que le Wok fait le Vincent, c'est n'est qu'il en pile parole. Monsieur, il en pile parole déjà. Au contraire, n'est-ce pas eux-mêmes, si eux-mêmes qui ont fait des zones entre les armes dans le pays, n'est-ce pas qu'il y a un groupe gang qui propose ces mini-justices. Pourquoi on joue mon mini-justice comme ça? Et n'est-ce pas politiser le pouvoir judiciaire? Ça triste. Eh bien, Guéhen, tout, Léon Charles, qui c'est directeur police, soit disant que c'est directeur police, parce que moi, pas ouais, pays, ça a un directeur police. Eh bien, Léon Charles, tout, lui déclarer, eh bien, c'est allié, monsieur qui mouillait, qui c'est porte-parole SPNH 17 là, Guéhen obligé foi, il lui fait connaître c'est allié, Guéhen obligé foi qui fait massacre ça. Depuis l'Est, Messieurs, ça qui est le directeur pour ça qui c'est Léon Charles, depuis qu'il fait une déclaration, ça, madame, messieurs, population là, il casse maintenant Léon Charles, il fait Léon Charles connaît, ou pas qu'à supposer, à pas qu'ils aient un bon comme ça, ils sont pas menés investigation. Eh bien, peuple a fait connaît, qui investigation Léon Charles te mené pour te guider en connaît, c'est allié, et Guéobi et Geoffroy qui fait massacre ça. Eh bien, bagay ça là, madame, messieurs, tout monté, tout le monde a commenté. De toute façon, c'est gros causé. On a l'autre information qui gagne et cap domine actualité à madame BC, nous aussi poser qu'on est aujourd'hui à là et bien gagne tout et n'a pas information ça avant. On a une conférence pour la presse et CMJSR, il était fait aujourd'hui à là qui c'est 30 juin 2021 et bien il parle en pile dossier insécurité et en pile dossier de toute façon. Et on a le temps de comment ça y est. Dans Matissan, pendant qu'on a parlé avec Wala dans Matissan, tout bagay a dégénéré dans Matissan et koui kap fèt la kote moun ap koui paske bandi avèk gwo zam pran Matisan nan mouman ap pale la. M ap vin avèk denye edisyon, m ap vin detaye tout informasyon sa yo pou. Mètnen nou pral souling nan, pabliye tout demè, don pou de, vendredi kap de jye, e genye Reginald Boulos ki pral devan ULCC, e bin tout moun ap mande fwa sa, fòk yo mette la pat sou Reginald Boulos. An al tande madame misye konferans pou la pres, se MGRS te bay jodia, e an pil dosye, nap toune. Servis Komunikasyon SNGRS. Apprendre avec stupéfaction qu'un individu du nom de Darboz Eugène
t'as utilisé un faux badge SNGRS. D'abord, ces jeunes impliqués dans plusieurs mauvais actes, notamment enlèvement Dr. Bitar. Donc, sont individus que DCPJ t'a cherché. Service communication SNGRS profite et félicite travail que DCPJ a fait. Et en même temps, nous voulons faire la presse parler écrite et télévisée. En général, qu'on est que individu ça, d'abouze et jeune, nous pas qu'on est ni en nature, ni en espèce. Il pas sous liste nous pas qu'on est ni, et badge qui n'a maintenant, il pas émané de directeur général actuel là, qui c'est Jean-Rony Duvelsin. Nous tenons à faire la presse comme ça, en bonne et due forme. Voilà pourquoi nous présentons-nous là de façon physique pour nous faire tout le monde connaître que l'individu ça nous pas reconnaître. Et directeur Jean-Rony Duvelsin tout pas reconnaître. Et c'est pas lui-même qui bat le badge. Nous avons un exemple de badge là que télévision va prendre image là. N'a pas qui Jean Badjo actuellement fait et n'a établi différence par rapport à sa DCPJ montré nous là. Donc nous pas qu'on est individu ça ni en peinture ni quand on nous dit ni en peinture ni en nature. OK? C'est-à-dire nous pas qu'on est ni en espèce ni en nature. Donc question de Eugène Dabouza SNGRS pas qu'on est du tout. Bon, tu es là avant ni en tant que journaliste qui a fait recherche calna archive, il n'est pas d'être trop intéressé nous. Cependant, nous apprenons que c'est un individu qui était là avec directeur Bruno. Donc, il était là vraiment, comme on pose des questions, on me répond non, avec Bruno, mais ça n'a aucun rapport avec. Et. Nous connaissons, en droit administratif, lorsqu'un directeur général change, maintenant, son institution qui a fait contrat avec mon yo, contrat yo, généralement yo renouvelé pour un an, si tu as un contractuel, et même si tu as un fonctionnaire, c'est-à-dire que tu as nommé, le badge qui n'a pas tap éternel. Donc, le passé, c'est le passé. Et d'autant plus, les pattes dans le directeur qui était avant nous, les pattes là. Directeur qui était avant, directeur qui était avant nous, les pattes là. Donc le passé de cet individu, ça, ce n'est pas notre affaire. Pour l'instant, nous connaissons que les pattes travaillent avec SNGRS et Badjikina maintenant, ce n'est pas le directeur général là qui balille. Donc c'est un faussaire. Et en tant que faussaire, la loi doit appliquer dans toute sa rigueur contre lui. Pour que d'autres monde qui sont capables mal intentionnés, capables de décourager, n'en continuent à faire le mal en matière de fabrication de fausses cartes et d'identité. Non, mais quel homme est capable de fabriquer une fausse carte? Parce que nous disons que tu travailles dans la boîte là, nous devons avouer l'alliance avec Kaplé, mais pour qui ça nous dit une mauvaise fabrication là? C'est à la DCPJ, maintenant, en analysant, qui pourra le connaître, est-ce que le faux ou est-ce que le vrai. S'il est vrai, mais pour nous autres, il n'est pas jamais vrai, parce que les cartes émanées de la direction générale, naturellement, les cartes s'émanent toujours à partir du directeur général. Donc, quand tu as porté ces du directeur général actuel là. Maintenant, si le directeur est venu au cours de route, et que on monte un badge de ancien directeur, et que contre le contrat pas fini, il est encore valable. Et le ça, nous avons assumé. Mais il y a un monde qui était là depuis environ 3 à 4 directeurs passés déjà. Donc nous allons maintenant identifier comme un employé SNGRL. Ça que nous maintenant, c'est la DCPJ de déterminer est-ce que le faux, est-ce que le pas faux. Mais pour nous autres, il ne figure pas, son nom ne figure pas sur liste monde qui. Soit contractuel ou soit fonctionnaire dans SNGRS actuel. Les citoyens ne peuvent pas faire tout comme nous, non, pas du tout.
Alors, chaque directeur qui monte dans la boîte là, il change les cartes d'identification. C'est comme ça le fait. Et dès que contrat moun, tout le temps, SNGRS, il y a deux types d'employés, par exemple. Il y a des personnes qui sont nommées, qui sont venues des fonctionnaires de l'État. Il y a d'autres qui sont des contractuels. Donc les contrats ne durent qu'une année. Pas vrai? Donc après une année, donc, tout change. Et lorsqu'il était dans la boîte là, est-ce qu'il était fonctionnaire? Ils sont contractuels. Bon, je ne crois pas. Je ne vais pas entrer dans les détails, parce que nous-mêmes, nous sommes en communication. Hein? Et je ne vais pas entrer dans les détails qui sont capables peut-être de compromettre quelques bagages que des CPJ a parlé. Mais vous prenez des détails. Non, écoute. Les détails, est-ce que nous connaissons? Non. C'est des CPJ qui a mené une enquête. Et ça, après des mois de filature, que le premier monsieur. Ah ouais? Donc, prétendre, oui, monsieur, actuellement là, prétendre que nous connaissons des détails, ce serait peut-être. Est-ce que nous avons dit là? C'est violent. Il y a des détails qu'on ne connaît pas. Bon, monsieur, il y a plusieurs cartes dans la main. Nous-mêmes, notre équipe communication SNGRS, là, nous pas objecté sur ça. Comme il y a 4 SNGRS, cela, maintenant, vient un impact, même tacite sur nous. Donc, il est nécessaire que nous présentions nous par devant la presse pour nous faire connaître que cet individu n'est en contact avec nous ni de près, ni de loin. Donc, badge que le gagne maintenant, ça c'est à faire pâle. La DCPJ, la justice, la police vont saisir. Ils vont le saisir. Ils vont enquêter. Ils vont faire ce que de droit pour bailler monsieur, sanction que le mérite, pour que de telles choses ne continuent pas. Parce que autant de fois que nous avons toléré que des hommes aient fait des bagailles drôles et que après pour ne pas s'épauler sur ça, c'est autant de fois que la société a sombré dans la pourriture. Donc pour éviter. Voilà, et on traverse avec l'autre information. Et l'autre information, madame, messieurs, cap domine actualité à la. Et unité hydrométéorologie et hydrométéorologie, ils ont annoncé un mauvais temps, et pour commencer à partir de demain, dans le pays. Entendez, hydrométéorologie qui c'est maître Waldo Colas qui va avoir plus de détails. Des cyclones qui vont commencer. N'a pas tourné. Côté pour vous, situation météo qui a prégné dans la région Caraïbes là pour jeudi, mercredi 30 juin 2021. Dans le moment. Nous gagnons une large zone de haute pression qui est localisée au niveau atlantique là. Mais au niveau bassin Caraïbe là, nous gagnons deux zones tropicales, deux actives zones tropicales qui associent avec une large zone de convection désorganisée qui menaçait et perturbait la région Caraïbe là, particulièrement Grande et Tiantillo. OK? Par rapport avec la zone de haute pression pour aujourd'hui, nous avons supposé gagner un régime de beau temps sous pays pour aujourd'hui, avec de rares activités la pluie. Par contre, nous gagnons le premier onde tropical qui a déplacé dans le moment au sud à Antilles avec une large zone de pluie et de convection désorganisée qui a traversé Antilles aujourd'hui. Et on ça a supposé affecter nous demain. Mais heureusement, on ça a affiché de faibles chances d'organisation. Même les gens ont plus de la pluie avec l'orage, mais ils ont moins de chances pour l'organiser. Vous comprenez? Mais ils ont toujours capable de la pluie avec l'orage. Deuxième onde blanc qui est plus costaud, qui a déjà montré des signes d'organisation, est supposé la succéder au premier onde blanc. Lui-même, les cabanons de fortes averses plus intenses que le premier onde là, avec même possibilité pour lui transformer en tempête. OK? Donc, c'est à surveiller, passage en saillot, parce que yo vraiment associé avec la pluie, l'orage et de rafales de vent violents. OK? Donc, pour demain, nous attendons un passage premier onde là, et puis. Samedi, dimanche, deuxième onde blanc,
si il a évolué en tempête, il a commencé à affecter nous, disons samedi et dimanche. Alors, dès qu'on parle de ondes, alors, qui est-ce qui est capable de parler et brutal? Bon, premier ordre, comme il y a une possibilité pour ne pas évoluer, il apparaît moins brutal. Il n'y a pas de pourtant il va bailler la pluie, non, il a toujours bailler la pluie avec l'orage. Mais deuxième ordre, il y a plus costaud. Et il y a même possibilité pour être transformé en tempête tropicale. En tempête tropicale, c'est un gros système qui a bâti nous en plus de problèmes. Est-ce que le Gonzalo est capable d'évacuer dans tout le pays? Combien sont partis dans le pays? Bon, dans ce moment-là, nous n'avons pas qu'à cibler des zones précises parce que la convection n'est pas trop bien organisée. C'est des cellules nuageuses qui ont tourné pour prendre qui côté dans le pays qui a affecté. Particulièrement, région sud pays d'Haïti, parce qu'on ne savait pas passer au niveau de la Caraïbe. La confection est tellement mal organisée, zone de pluie de radio, qui est une zone de pays qui est affectée. Pour le moment, nous avons précisé qui est zone qui est plus concernée. Alors, un message, qui est capable de préparer dans ce sens? Bon, le message à la population, c'est que les gens qui habitent dans une zone vulnérable, par rapport avec le passage on Sayo, qui est capable de nous de fortes averses, qui est capable de nous empêcher de l'orage, il faut que les gens soient très vigilants. Parce que quand il y a une rivière qui est en crue, à n'importe quel moment, pour prendre, il y a un éboulé. Donc, les gens qui habitent dans une zone à risque, sont supposés être très vigilants pendant le passage du système Sayo sur le pays. Comme il achève le travail de concert ensemble avec la protection civile, qui ça nous fait dans ce sens-là? Est-ce que vous avez annoncé ça? Bon, pour le moment, nous travaillons sur des bulletins spéciaux pour nous voir la protection civile pour qu'on agisse en conséquence. Mais c'est ça va faire dans des jours, quelque bon, normalement, premier ordre,